Et salut, on se retrouve donc pour une vidéo suite à la mise à jour de Flight Simulator 2020 qui rend honneur à la France et au Benelux. Donc il y a eu quelques ajouts de monuments, il y a eu des modifications également sur les graphismes. Donc là ici dans cette vidéo, plutôt que de blabla, on va passer aux images et vous montrer un petit peu le avant-après. Alors bien évidemment, je peux pas tout vous montrer, il y a eu tellement de correctifs et d'ajouts. Certaines choses c'est assez léger, assez soft, hein, on va être très clair. J'ai repris un peu ce qui avait été mis dans le trailer de Microsoft, donc vous allez voir le avant après en côte à côte où j'ai fait au mieux pour vous montrer un peu les différences. Donc certaines choses sont un petit peu modifiées, d'autres totalement recréées. Donc voilà, vous allez voir, il y a quand même pas mal de boulot. Alors évidemment, certains peuvent reprocher que des choses déjà créées ont été peaufinées alors que d'autres choses qui n'existaient pas ne sont toujours pas présentes. Bon, il faut bien évidemment voir que c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez monstrueux comme travail. Donc voilà, ils font région par région. Et bon, le jeu n'est pas si vieux en soi. Il y aura encore des updates, ça c'est sûr. Ce n'est que la quatrième. Donc laissons le temps aussi au studio de peaufiner un peu le boulot. Après, il y a toujours les modeurs avec du contenu payant qui se passe à côté. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, il y a la précédente vidéo sur ma chaîne parle du mode gratuit pour un hélicoptère. Très très plaisant. Voilà, donc je vous laisse là-dessus sur cette petite vidéo avant-après et on se dit à une prochaine. Salut!